Le pire, c'est que des fois, quand je relance une sauvegarde ou ça a bugué ou quelque chose, ça me remet tout le temps sur mon capital. Du coup, où est-ce que j'en étais? Ah oui. J'avais découvert, envoyé, il me reste plus que lancer un module et un réacteur. De réacteur. Ok, bah ça va être long. Allez, hop. Ici, il manque quoi, c'est... Ah, c'est habitation. Putain, je suis obligé. Oh, c'est un tour, ça va. Se règle le problème d'habitation. Déjà ça. On va la régler vite fait. Non, va te faire foutre. Alors là, va te faire foutre. Vous avez perdu la tête. Non, j'ai pas perdu la tête, ça vaut pas le coup. Course à l'espace. Triple tourisme, ok. Plus 15%, c'est une ville à une école militaire, un complexe portuaire, ok. Cette partie a été... Eh, on est bientôt proche des 500 tours. Hein. Dépensé des millions de dollars pour inventer le stylo à billes de façon à pouvoir écrire dans l'espace. Les Russes ont emporté un crayon à papier. C'est pas con. Du coup, il faut augmenter les productions. Production pour les bâtisseurs, non. Pour les merveilles, non. Pour les colons, non. Importe science et culture. Ça sert plus à rien, concrètement. Pour chaque émissaire, non, niveau de l'espion ennemi réduit de 2 sur vos terres. Ça, c'est intéressant. Niveau des espions, mais votre territoire, attends, moins 2 sur votre territoire, mais moins 1 pour toute, oh non, ça, c'est impossible, pour toute exploration, ok. Ça suffit. Ah, je l'ai pas décalé. Chaque émission compte pour 2 si un suzerain a un gouvernement différent du vôtre. Ok. Ah, je vais récupérer une ville du coup. Alors, du coup, toi, de toute façon, je suis complexe de loisirs, je peux pas faire autrement. Projet man. Ouais. Ouais, je peux le faire, c'est un tour donc. On peut le faire quand même. Parce que comme ça, toutes les villes auront accès. Ok. Ça augmente mon tourisme. Activité insuffisante. Habitation suffisante. Bah ça je vais le régler. Il vaut mieux mettre en œuvre un bon plan, mais violent, aujourd'hui même, qu'un plan parfait la fois. Ok. Le combat rapproché à distance. Ok, c'est ça. Toi, je vais t'envoyer. Où est-ce que je peux l'envoyer? Allez. Hop, accepté. Bah du coup toi, qu'est-ce que je peux... On va continuer... Bah on finit. Hein. Opération Eevee. Ah d'accord. Oui je sais, je vous fais attendre. Ouais, quoi que. Non, ici, ici, ici. Ici. Merci. Toi, bon, on va faire... Qu'est-ce qui manque ici? Une arène, on va faire. Activité moins 1, on va faire réseau d'égout. Ça fait quand même une bombe atomique, ok. Donnez-moi vos sous. T'es bugué. Ah putain. Et à un moment, quand cette vidéo va sortir, j'aurai mon nouveau PC. Je vous mettrai la config dans la description de ma chaîne, comme ça. Il sera... Enfin, ce sera pas le top du top. Mais... disons que je pourrais jouer à mes jeux... Enfin, aux jeux actuels en ultra. Enfin, en élevé ou en ultra, donc... Et je pourrais stream... Enfin, je pourrais enregistrer un peu mieux sans avoir besoin de problèmes de réduction. Surtout pour certains jeux que j'aimerais bien faire, genre Arc. Toi, je t'envoie... Ici. Washington sert plus à rien. On va se faire un maximum de sous. Ici. Choisir une technologie, c'est pas comme si j'en ai plus là. Allez, hop, une carrière ou rien. Nourriture. Construire une bombe.
Attention, c'est gagné. Donc, avant de finir, ce que je ferai, je construirai. Je construirai la bombe atomique, je lancerai juste une fois avant de finir. Et je la lancerai. Bah, sur la capitale. Elle est où la capitale? Oh non, ça sera à côté de chez. Ici, comme ça sera le mieux. Non, c'est quoi la victoire scientifique là? Module. Ok, il y en a 3, ok. Juste la seule bombe atomique, juste pour vous montrer après le reste. Moi-même, j'ai pas vu comment c'est l'animation ici. Projet course à l'espace. Envoyez un module de réacteur en orbite dans le cadre de la mission de colonisation martienne. Une fois les 3 modules lancés, vous remportez une victoire scientifique. Ok. Ici. Ah, on va continuer. Ah, je peux la fabriquer et la préparer. C'est qu'elle a plus destructrice. Je sais pas plus. Pas jamais su. Toi, c'est. Complexe de loisirs, merde. Oui, voilà, tiens. Vous savez quoi? J'ai préparé plein de bombes atomiques, je vais en lancer. Ils sont pas contents, mais je m'en fous, j'aurais gagné. Faut surtout pas que je me fasse voler la victoire dans ce gros. Pouh! Putain, quand je pense que. Au tout début. Mais alors, au tout début, comment. Peut-être que vous avez. Vous en souvenez. Mais comment j'étais parti en retard, j'ai dit putain, la victoire, ça va être compliqué. Je me faisais attaquer de tous les côtés. J'avais du mal à réagir. Et j'ai pris l'avantage en prenant quelques villes. Enfin, les mecs, ils m'ont. Enfin, surtout les Allemands. Ils m'ont dit ouais, non, t'inquiète. Je t'ai tué. Que je récupère toute leur ville. Toi, c'est. Ouais, mais ça, je peux pas le. Ouais, on va faire ça. On va régler ce problème d'abord. Fais-moi un complexe de loisirs. Hop, ici. Comme ça, on casse les Allemands. Ok, mais fais non. Ici, alors. Heureusement qu'il n'y a pas d'autres. J'ai mis que ces deux victoires, donc on a pris les persos pour. Mais c'était une victoire, enfin si j'avais tout mis, il y a certains que si. Comment dire, certaines simulations, vous les rushez en même pas 200 tours, c'est fini. Habitation suffisante. Ouais, non, ça va pouvoir régler. C'est bon? Vous avez fini? Qu'on puisse finir cette partie? Voilà. Mais la bombe H, je l'ai pas construite. Non, je l'ai construite, bombe H. Ou est-ce que les autres peuvent le construire aussi? Construire une bombe. Ah, 75 tours. Non. Hop. Comment ça se fait? La ville a quand même 99 de résistance. Là, pour la faire tomber, faut y aller. Allez, fais-moi la bombe. Ouais, c'est dans un aéroport, je sais pas. La bombe H, c'est la bombe à hydrogène. La bombe A, c'est la bombe atomique. Enfin, c'est une bombe atomique. Enfin, nucléaire, ouais. C'est juste le terme exact. Allez, hop, toi, tu me fais ça. Et regardez la bombe, elle est où? Pourquoi il n'y est pas? Est-ce qu'on a besoin d'un aérodrome? Si oui, je vais pas me gêner. Est-ce que je peux le faire? Toi, tu as besoin. Tu vas avoir une forme de. Non. Ouais. Non. Non, bah. On va plutôt réparer. Toi, tu as manque d'activité. Et par contre, il faut 16 de population. Ben, on va attendre. Là, c'est fini, là, concrètement.
Je veux juste la bombe atomique. Ou la bombe H. Enfin, j'ai essayé la bombe A tout à l'heure. On est en 2008. Ouh, c'est bientôt fini. C'est long, les parcs. C'est long. Allez, s'il vous plaît. Du coup, si tu peux aller là. Ah, du coup, à faire la bombe. Ah, alors. Ah merde, ça a commenté. Ah merde! J'aurais dû l'utiliser pour finir. Bon, ça va. Hop. Oula! Toi, tu as un problème de. Complexe de loisirs. Qu'est-ce qui manque? Un zoo. Lol. Non, mais laisse. On va juste faire ça. Hop. Marcher. Une arène. Une arène. Et on passe le tour. Putain, moi je croyais que. Oh, j'ai dû faire. Oh putain, je les ai. Mais je les ai, les bombes. Et comment je les utilise? Il faut un bombardier. Ok. Putain, faut 10 tours, fais chier. Non, je te donne pas ça. Tintintin. Bah, du coup, là, on va attendre 10 tours. Hein. 20 tours en tout, putain. Upgrade, hop. Non, Washington, Washington, elle est où? Allez, établir. On va lui augmenter. Ouais, mais toi, c'est fini, ça, donc. Ouh, l'habitation. Ouh, les habitations. Ouh là là là, ça fait mal. Alors, bah, du coup, ici. Toi, tu as un manque d'activité. Complexe de loisirs, faut une population en plus. Okay. Allez. Qu'on en finisse. Pam, 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 pam. Putain, si j'avais su, je les aurais fini en un tour. Je suis dégoûté. Ouais, je pourrais reprendre la sauvegarde. Je pourrais reprendre la sauvegarde. Mais non. J'ai pris le risque. J'ai pris le. Je prends le risque. Envoyer un émissaire. Je prends le risque. Contact trouvé. Pourquoi que vous. Juste pour vous montrer. Ah non, je peux pas. Putain. Allez, bloquer ces salauds. Et ça, c'est le problème d'activité, c'est chiant. Et il faut que je trouve des zoos. Le zoo. C'est quoi ça? Non, c'est théâtre. Ermitage. Ok, c'est antique. Et où le zoo? Un stade. Épave. Opéra. Mais il est où le zoo? Oh, il est là. Ok, on va faire ça. Ah merde! Toi, si tu peux aller à Washington. Ah, ils peuvent pas. Ok. Bah, répète-moi le trajet. Du coup, toi, tu en manques d'activité. Bah, t'es un complexe de loisirs. Dans une zone, on n'a rien à foutre. Et hop. Alors, du coup, toi, tu vas nous faire un complexe portuaire. Et voilà.
Putain, je suis dégoûté. Bon, vous... Je vais réessayer, on va... On s'en... Oui, tiens. Et rends-le-moi dans 30 tours. Comment ça? Je suis en positif. Bon, bref, aucune idée. Allez, passe le tour. Que je reprenne ma sauvegarde et qu'on en finisse. Allez, c'est parti. YouTube, voilà. Bon, là, ça reprend tout le chat. Vous avez le monde de l'information au creux de la main et des réseaux de communication dans le monde. Ah, putain. Pourtant, oh, mon épisode en tout, j'aurais fait. N'a été envisagé. Nous rivalisons à coup de moins d'une vingtaine, je pense. De politique. Notre arsenal ouais, peut-être. Pourrait bon, détruire bon. La planète d'un claquement de doigts. Gouvernez-nous avec fierté. Fini de tchatcher que je dise que ce que je vais faire après Civilisation. Capable de résister au passage du temps. C'est donc à vous, Theodore Roosevelt, qu'il appartient d'aller de l'avant et de guider votre peuple dans sa grande aventure. Servez-vous de votre puissance militaire pour accorder aux habitants de votre patrie cet accord équitable et mérité oui. dont ils ont tant besoin. D'accord. Vous allez placer l'Amérique sous le feu des projecteurs. Ouais, c'est pas Trump qui ferait ça. Du monde entier. Bravo à vous, monsieur le président. Bon, du coup, comme j'ai dit, après... Hop, on reprend tout vite fait. Dans ces mots directions. Du coup, après Civilisation, je veux faire un jeu que j'ai bien... Enfin, j'ai adoré regarder certains joueurs jouer. C'est Stellaris. Du coup, ça sera encore un jeu de gestion, ce genre de truc. Mais dans l'espace. Et au lieu d'avoir des villes, on a des planètes. Donc ça, c'est un gros avantage. On c'est-à-dire, on change la colonisation. Et du coup, on va continuer. Après, civilisation. Hop, on va en finir vite. Du coup, voilà, il y aura Stellaris. Normalement, il y aura la suite et peut-être... Ouais, je pense que ça passera pas tout de suite la fin après. Ou quoi qu'on sait jamais. Mais il y aura encore du Digimon. Qu'est-ce que je pourrais faire? Du Minecraft, pas modé, pas survie, que des petits mini-jeux. De temps en temps du Rocket League. Et du Star Fox Adventure. Tant pis pour les manœuvres. Fonce. Du Star Fox Adventure. Ouais, non, c'est Aventure. Ouais, c'est Aventure. Je ferai ça après. Après. Voilà. Après, on verra plus tard. Alors, du coup. Et c'est le dernier ou pas? Go. Là, YOLO, je prends le premier truc qui vient. Et hop. J'en ai même pas, j'y vais au pif. Oui, voilà. GG Replay. Une victoire. Une belle victoire. Partie de rien, partie de la merde à cause des barbares, ce genre de truc. À cause de... que je pouvais pas me développer trop au nord. Et du coup, a-t-on gagné, roulement de tambour, non je rigole, et voilà, le grand œuf de Marshall, sur la lune, l'épreuve du temps, et c'est, on a gagné, GG. En route pour Mars. Non, logiquement, je devrais peut-être vous faire Civilisation Bienfer. Dire l'autre de ça. Oh, peut-être. On verra. On entend bas le son. On a gagné. Oh putain, je m'attendais pas, alors voilà. Tout comme dans le passé, nos ancêtres se sont aventurés vers l'inconnu. Nous avons fait de même, ce fut un périlleux voyage pour les pionniers, mais désormais notre paix prospère à nouveau. Dans les classements... Ouais, je suis quoi déjà? Vous êtes parvenu à atteindre
au niveau atteint par Louis XVI. Oh. C'est tout? Toutes les fois que je donne une place vacante, je fais 100 mécontents et un ingrat. Ok. Putain, j'ai pas atteint ce niveau-là. Oh, dommage. Et au niveau des graphiques, juste le mien. C'est exponentiel. J'ai commencé tellement dans la merde et puis d'un coup c'est fiou. Ah, c'est bâtiment construit. Oh merde. Quoi, guerre contre les joueurs, ça... Guerre, je gagne. Je gagne. Ville perdue, je crois que j'en ai perdu aucune. Putain. Guerre, niveau. Les sciences par tour. Ça a chuté. Ça a tellement chuté, c'était bien parti. Celui-là dans notre continent, c'était tellement bien parti. J'étais à la ramasse. Mais d'un coup, c'est. J'ai pas compris pourquoi. C'est comme le jeu m'avait dit. Allez, c'est bon, on te laisse gagner. Quoique je serais venu l'éclater parce que. Si vous regardez, il aurait recontinué à avancer vers là. Donc, quoi qu'il arrive, je l'aurais dépassé. Bon, ben voilà, ça marque la fin de cette civilisation. Et du coup, je pense qu'on va se retrouver. Pas pour Stellaris. On croit que. J'hésite entre Stellaris et Civilisation Bienfer. Ça serait une suite logique. Mais. En fait, ça serait logique de faire Bienfer et après Stellaris. Ouais. Ouais. Bon, bref, dans tous les cas. J'espère que cette série vous aura plu. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, laissez un petit pouce bleu, pouce rouge, ou un commentaire, un cap qui partage et un petit abonnement. Et on se retrouve pour une prochaine série qui sera encore de gestion. Donc j'espère que ça... Je vous le ferai vite. Allez, pouce !